got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 4. Alors voilà, comme vous le savez, dans l'épisode précédent, nous sommes allés enquêter pour changer de d'habitude avec Ludivine. Voilà, toi par contre, tu peux dormir dans celui-là. Ah oui, j'avais dit que j'allais changer les lits parce qu'apparemment, ils sont inconfortables. Alors, je vais regarder si j'en ai là-dedans. Sinon, je vais en racheter. Non, j'en ai pas là. Alors, je vais prendre le meilleur. Le meilleur. Que je vais mettre ici. Et un bon aussi. Pourquoi je peux pas le coller contre le mur? L'autre je pouvais. Ben oui. Bon, celui-là je peux pas, tant pis. Ça sera comme ça. Ah, il y a un ordi là. J'avais jamais fait gaffe. On va dire que c'est normal. Alors, je vais enlever la nourriture gâtée. Ah, en fait, il n'y a plus rien à manger. Hein. Je ne sais pas où il a ces petits trucs. Méduso. Dinde, méduso. Bon. Ah, on a plus 11 000 euros. En même temps, j'ai dû beaucoup le dépenser, mon argent. Alors lui, il a aucun point en nourriture. En cuisine, elle non plus. Bon, bah, tu vas nettoyer ça. Et tu vas allumer la cheminée. Donc, est-ce qu'elle est trop fatiguée? Donc, comme ils ne savent pas cuisiner, ils vont acheter un service. Non, elle veut pas acheter de service. Une pizza. Oh. Comme ça. Je regarde la télé. Oh, toi, t'as pas faim en fait. Qu'est-ce que tu préfères pour notre travail? Rien. Je vais vider les poubelles, bah. Vider les poubelles. Non. Qui c'est qui dort là? D'accord. T'as un lit là au pire. Hein. Ils s'apprécient pas plus que ça, ils se connaissent pas. Il va se coucher. Comme une pizza, mais il va se coucher.
Ouais, et puis il vient pas. Elle se retrouve toute seule. Ah bah elle vient de là, la musique. Elle va me faire le saut de l'ange. Tu ressembles à un ange. Wouhou! Donc elle veut faire un câlin à quelqu'un. Ah bah oui, là elle est prête, hein. Elle va faire un bisou. On voit des hélices. Ouais. Faire des longueurs. Il vient pas, monsieur? Le livreur. Il va nous laisser mourir de faim. Bizarre. Et elle sait pour quand son enfant? Pour jamais, peut-être. Comme le livreur. Bien. Bah, va danser, toi. Bah oui, ma pauvre, t'as faim. Mais le livreur, il veut pas venir. Allez, tu vas nous préparer. Ah bon, on va acheter une machine à cupcake. Allez, soyons fous. Machine à cup. Non. Allez, on va dire machine à café. Non. Faut que je trouve les cupcakes. Où sont-ils? Là. On va pas la mettre trop loin. Là. Préparer des cupcakes. Classique à la vanille, si tu veux. Ça donne envie. Ah non, ça donne pas envie. Bof. Médiocre. Fin de compte, j'en veux pas de ces trucs. Tu veux bien que tu recommences? Non, mais oh, toi, pour qui tu te prends? Allez, jette-moi ça. Allez, continue. Ouais, il y a un truc qui va pas. Hein. Ok, laisse tomber. T'es pas faite pour ça. À toi. De la troupe de danse. Oh cool. Allez, nettoie. À ton tour.
Toi, ton lit. Toi, ton lit, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pas dans le bon lit. Tous se coucher. Ah! Ben voilà, normal. Allez, viens manger, toi. Les cupcakes. Là, je l'accente. Demandez la date prévue pour l'accouchement parce que là, elle est pas belle, elle est grosse. Ouh. Ouais, elles ont vachement de trucs à dire. Bon, elle va te coucher là, t'es trop fatiguée pour aller en haut. Toi, tu peux aller ranger ça. Ensuite, tu vas te mettre au jardin, au jardinage. Tu vas m'acheter des graines. L'eau de graines de fleurs pour débutants. Hop, l'eau de graines de fruits pour débutants. L'eau de graines herbes aromatiques pour débutants. On va commencer par les fleurs, les fruits. J'en vois 3-4. Les légumes. Ah bon, on a un petit quatrième. Non, super. On va pouvoir aussi acheter herbes aromatiques. Acheter un éclairage de piscine, monsieur. Alors, on va mettre les fruits. Alors déjà, on va commencer par les fleurs. Voilà. On va mettre celle-là là. Ça remplit pas tout, hein, normal. Tu vas planter ça, jacinthe, chrysanthème et la marguerite. Ensuite, autour des fruits. Voilà. Ah, les bananes. On peut pas les planter où on veut. Et les pommes non plus. Non, pas manger. Je clique. Non! N'importe où. D'accord. Planter, planter. Ensuite, les légumes. On va les regrouper avec, hein. Ça n'a pas beaucoup. Champignons. Oh, mais c'est pas possible. Planter. Un épinard. Et puis ben, on va le mettre là l'autre. Voilà. Et autour des graines. On va mettre le persil là. C'est quoi ça? Basilic aussi.
On va en racheter d'autres. On va racheter quoi? Pas d'herbe, pas de fleurs, des légumes. Est-ce qu'il travaille demain? Non. Ah, d'autres fruits, de légumes, n'importe quoi, des fruits, moi. Je dis n'importe quoi. Là. Ah, les plantes. Il y aura plein d'épinards. Et du coup, bah, le reste, je vais regarder si dans les pots, on peut pas les planter, sinon bah, je les mangerai. Comme ça. Alors, c'était pas là-dedans que je voulais les trouver. J'aime la déco. C'est bien joli. Alors pour chercher et trouver, moi c'est pas mon fort. Bon, c'était pas si compliqué. Ah si, d'accord. Je pensais avoir trouvé, mais non, c'est plus compliqué à trouver que ça. Non, non, pas du tout. En fait, Lumia, tu dis n'importe quoi. Oh là là. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête. Voilà. Normalement, ça va marcher. De mes souvenirs, ça marchait. Voilà. Où j'achète deux autres. Donc, peut-être. Je vais en mettre aussi à l'intérieur de la maison. Pour que ça soit joli. Les pommes. Hop. Allez, faudra tout arroser, ma petite. Engager un jardinier professionnel. Peut-être. Parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Et puis comme ils travaillent tout le temps, ils n'ont pas vraiment le temps de le faire. On verra plus tard. Cette plante n'a pas réussi à germer, c'est d'être passé dans un endroit ouvert. D'accord. Celle-ci, oui, mais pas celle-là. Bizarre. Alors lui, il est réveillé, il fait quoi? Non. Alors je vais enlever les éviers parce qu'à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, normal. Sauf que moi, généralement, je les fais aller aux toilettes, mais juste après, je les fais se laver. Donc ça sert à rien. Donc là, c'est sûr que ça fait bizarre, on dirait qu'on m'a cambriolé. Mais bon, vous savez pourquoi je fais ça. Au début, mes plantes, elles vont toujours bien. Et au bout d'un moment, bah, ça va plus trop.
que je les entretiens pas assez, j'ai pas vraiment le temps. C'est bientôt l'anniversaire de Simon et l'autre n'a toujours pas accouché, sachant que ils l'ont fait en même temps, hein, les couples. En plus, c'était fait exprès pour avoir l'enfant, les enfants en même temps, évidemment. Ah, bah c'est pas trop tôt, elle se réveille. Bon, toi tu vas t'occuper de ça plus tard. Va aux toilettes. Puis elle va bien, elle va se laver les mains. J'ai beau enlever tous les objets que je veux, elle va quand même se laver les mains. Bon bah. Elle accouche, mais ça va sinon. Bah lui va très bien. En fait, on l'attend elle pour qu'elle assiste à très fin. C'est pour ça qu'elle nous a ramené. Ah bah super, j'avais même pas fait gaffe. Alors lui, il va se bouger le popotin. C'est pas le moment. Mais c'est pas lui le père, c'est lui. C'est pas le moment de prendre un cupcake. Tu vas le nourrir, changer sa couche, tu vas lui faire des grimaces, le bercer. Et toi, tu vas aller là. Tu crois que c'est le moment de lui faire des câlins? Bah oui, il serait peut-être temps de paniquer, mon petit là. Hein. Avoir un bébé, bah oui. Viens t'asseoir là. Oui, bah, tu peux attendre, toi. Et donc, c'est déjà la fin de cet épisode. Pour connaître...